champions. Now with Mythic items, you have more builds, playstyles, and team strategies to choose from, which means more variety from game to game. You can find these Mythic items, as well as new and updated legendaries, in the fully redesigned item shop. Here, the Recommended tab simplifies item buying, no matter who you're playing or who you're playing against, serving you suggestions based on your current item build and team matchup. Discover a host of new mythics, legendaries, and more over in the All Items tab. Here, you can filter items by stat. Salut à tous, chers abonnés. Coucou maman. Coucou tout le monde. Je vous vois en direct de New York. Ça fait plaisir, hein. Le mec craque. Salut Macron. Ah, poteau. Alors, aujourd'hui, je vais être en compagnie de Braque. Hello, hello. Nous allons jouer le champion de la semaine, donc. Nous sommes mardi. Mardi 22 décembre, bientôt Noël. Donc aujourd'hui, c'est Bard. Alors, Bard, je l'ai déjà niveau 7. J'adore jouer Bard, c'est trop cool à jouer. C'est un super support. Je sais pas comment vous dire. Il fait tout. Il peut engager, désengager, soigner, tanker. Enfin bon. Alors son passif, c'est rigolo. Il y a des petits mips qui apparaissent sur la map. Vous allez voir, ça va me faire beaucoup décaler. Ça donne la mana, l'XP. Voilà. Ça veut dire que je vais jouer tout seul. Bah non, surtout pas. C'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer qu'on fait. Il a un stun, un double stun. Faut toucher quelqu'un. Enfin. Si vous voulez stun, donc là dans l'intro par exemple, dans l'image, si vous voulez stun le Tahmkench, il faut toucher un champion derrière. Un mur aussi, ça marche. Enfin, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. Vraiment. En gros, faut qu'il y ait deux unités qui soient touchées, sachant que le mur est considéré comme une unité. Donc, son Z, c'est il pose un soin. Les ennemis peuvent marcher dessus, faut faire attention. Donc, quand tu joues contre un barde, bah, faut marcher sur CL pour l'empêcher de soigner ses potes. Ça met un temps de chargement et une fois qu'il marche dessus, ça soigne beaucoup. Le E, c'est un portail. Ce qui permet de passer à travers la map sans utiliser les flashs, c'est trop cool. C'est un personnage qui c'est comme s'il donnait des flashs à ses alliés, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Et son R, c'est une zone qui met en zonia les alliés et ennemis, les tours aussi, et les sbires dedans. C'est trop bien, quoi. Alors, quand en plus de ça, on va faire comment? Comme ça, ok, comme ça. C'est parti, vas-y, tu peux lancer. Enfin. Il y a un Karthus, il ulti, tout le monde est low life, tu mets ton ulti sur toi avec tes potes, ils sont tous protégés, c'est juste magique. Alors en plus, comme il commence à faire froid, c'est l'hiver, et ben, on va sortir le skin qui va bien. Parce que oui, Bard a un skin de Noël, si les gens veulent bien accepter de jouer avec nous. Donc t'as fait normal draft, oui, on va faire que des normal draft, je pense. Ah ouais, c'est vrai qu'on m'a dit, fais des ranked, c'est plus rigolo. Ouais, enfin les gars, moi je connais pas tous mes champions pour partir en ranked comme ça à l'arrache. Hein. Bon, on a notre bot lane, ça va barder. Yeah. Alors, mes maîtrises de bard. J'ai même pas fait mes maîtrises de bard. Shame on me. Alors, quand on clique sur Professor. Qu'est-ce qu'il nous fait pour Professor? Alors déjà, qu'est-ce qu'on veut pas en support? Morgana, parce que son Black Shield c'est quand même... Hein, anti-stun, c'est très très sûr. Alors, ce qu'on veut... Alors, le gardien. On nous propose le gardien. Le gardien c'est très bien, ça permet de rester un allié, de le protéger avec un shield. C'est pas mal. À vrai, ouais. Restreindre les champions le marque, les alliés sont soignés quand ils le tapent. Bah oui, vu qu'on a un stun, c'est bien. Plaque d'os pour éviter de se prendre des petites baffes. Plus de soins et de boucliers. Bah oui, parce qu'on va jouer support, donc full heal, full shield. Balise zombie. Alors c'est vrai qu'on le voit très rarement, mais c'est un truc qui est super cool. En fait, ça te permet de garder tes wards finalement pour remettre une autre ward. Donc, bon. Après, les ennemis peuvent l'avoir plus facilement. Donc, et vitesse de déplacement, parce que vous allez voir, on va roam beaucoup. Vitesse d'attaque pour caler le passif des MIP sur les ennemis, de la paix et de l'armure, un classique. Alors en vrai, on peut aussi jouer Aerie, je pense, si on veut vraiment jouer encore plus support. Alors... Pour l'instant on est full AD. Oh, on est full AD. Je prends la paix avec toi. ouais, mais si on n'a pas d'AD, on va manquer d'ADC, enfin, ouais, fais comme tu veux, fais comme tu te sens. On arrive sur le papier. Ouais. Après, ouais, il y aura Nirelia. Ça, je suis skin de Noël avec toi. Allez, botlane de Noël. Lucian, Kai'Sa. Ok, ça se stun.
Et c'est parti. Alors, Barde des Neiges. Au début, donc le skin de Barde. En plus, il a quelques chromas un peu dégueu, hein, quand même. On dirait qu'il est sorti d'une poubelle. Le premier skin qui est sorti, c'est Barde Sylvestre. Assez classique. Hein, bon, de base, c'est le personnage de la forêt. Donc, bon, classique. Ensuite, il y a le skin Barde de Noël. Oh là là, quand tu te transformes. Si tu te transformes en petit pingouin, tu fais des chocolats chauds au lieu d'huile, c'est trop bien. Après, ils ont fait Barde le Barde, bah oui, parce que tu peux faire des jeux de mots génial. Et enfin, le Barde Astronaute, le tout dernier sorti qu'on a vu aussi dans TFT, qui est ces petits mips, ce sont des petits extraterrestres. Alors, en botlane, on a quoi? On a une Senna Kai'Sa, ça va être vénère. Je pense que je vais même pas prendre l'embrasement. Moi, je prends une barrière. Barrière parce que... alors, des fois la barrière sur un support c'est bien. Bah, tu me diras, je suis tank. Non, en fait, je vais être tank shield. Donc, bah, allez, embrasement. Qui nous permettra de voir Kai'Sa en plus. Alors, ça tombe bien, ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce skin de Syndra. N'est-ce pas? On va bien ensemble. Alors, ah mais Graves, il fait trop froid pour être torse nu. Allez c'est parti, on passe en game. Ouah Ayuken. C'est vrai que le Graves il donne froid. Franchement il me donne froid juste de le voir torse nu là comme ça là. Ah il me donne froid là. Je vais allumer mon chauffage. Bah tu vas me dire Senna elle est pas plus réchauffée que lui hein. Avec Senna aussi, ouais. Tout petit peu. Alors en termes d'items, étant donné qu'on va jouer support, je pense que le mandat impérial reste classique. Alors voilà, bouclier relique ou l'âme du sort du voleur des sorts. Vu qu'ils, alors franchement, ils ont du poc. Lui donne plus de PV quand même. Hein. Ah j'hésite. Hein. Mais bon, comme je suis à distance, c'est 30%. Ouais. Non, on va prendre ça pour les agresser. C'est parti. Quack. Alors, si Graves commence au bleu, je peux déjà commencer à mettre des heals. Parce que, bon, clairement, il. Bon. Graves, il va où? Il vient pas chez nous? Si, il va au bleu. Ok. Donc là, vous voyez, sur la minimap, il y a des petits trucs jaunes. Bon, il est devant avec son personnage. Mais voilà. Alors là, c'est parce que j'ai un skin. Hein. Du coup, c'est un petit cristal bleu. Et hop, ça me regène de la mana. Et après, de l'XP. Hop. Et donc, on voit le chocolat chaud. Enfin, la tasse de... qui remonte. Alors là, et vous allez voir, ça va faire... Ploup. Voilà. Oups. Un bon chocolat chaud. Ça donnerait presque envie. Ouais. Hein. Et là, vous voyez ma mana, je suis à 309, 310, 311. Pouf, j'ai pris. Hop, plus. Et en plus de l'XP. Je suis déjà à 40 d'XP sur 280. Je suis max, hein. Alors beaucoup de gens souvent ils prennent ça pour le prendre et prendre de l'XP. C'est nul. En vrai la force de Barde c'est aussi de les prendre et de s'en servir pour décaler vite. Voilà, là par exemple j'en ai un, je vais aller le prendre. Poup. Et je vais aller vite botlane. Faut que tu viennes toi d'ailleurs. Pom pom. J'ai des... Oh putain, il lui restait un PV à son golem. Let's go. Ok, il y a déjà une ward. Tu les as eu? Nickel. Ouais. Il y a une ward là. Hein. Ok. Putain. Poké là. Ah, c'est chiant. Tiens. Moi avec Barge, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est je veux agresser. Il a pas pris les. Il a même pas pris mes heals, il est un peu bête. Bon. Bravo. Je crois qu'il était full life. Bah maintenant non. Ça y est il les prend. Yes. Donc je vais en mettre un là. Alors faut savoir que le heal aussi nous permet de nous dépasser plus vite. Ils sont deux hein. Ouais. Ah bah là ils veulent engager hein. Oh le heal. Hop là. Alors elle a fait ça. Ils ont pas mis le heal. Ok, donc on a le stun. Alors le stun bien placé pour faire la diff hein. Genre là. Ouah, je l'ai pas touché. Ah ouais c'est... Ouais c'est toujours match, ça va être compliqué hein. On va se mettre un petit heal derrière. Tu vas me dire Kai'Sa non plus. Ouais. Ok. Oh ça touche de tellement loin. Ah c'est cancer hein.
Tiens, allez. Vite. Yes. Oh, c'est cool, il est pas devant moi. Oh non! Je me mail, tu marches dessus! J'ai pas vu. Ouais, trop loin, trop loin. Bah, va tempo. Alors là, le E, clairement, c'est rien de le prendre au début. On va maxer le A toujours. Non, pas le dernier coup. Ah, salaud, tour. Ok, on a Mundo qui est top. Tiens, je l'ai volé. Allez, je vais prendre deal. Voilà, vous voyez là, je perds pas d'XP parce qu'il push en plus. Hein. Donc nous, on est bien. Hein. On est bien là. Hein. On a un petit deal en plus à prendre là. Hop là. Et je reviens. Et je vais en avoir. Et là, là... Ah, donc elle, elle se fait pas stun, d'accord. Ok. Ah, il y a un combat. Je vais essayer d'aller l'aider. Casse-toi, mec. Casse-toi. Oh, mais c'est relou ça. Tu vois que t'as l'huile. Non, bah je t'ai dit tout à l'heure. Ok. Ok, ils sont là. Oh là 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 là. Ils sont archi agressifs. Hein. Il faut qu'il fasse gaffe lui. Hein. Mec, c'est wardé là. Ouais, bon, ok. Ok. Ouais, du Aatrox qui défonce. Ça, c'est bien ça. Alors, mandat impérial. On va acheter de la... Non, en vrai, je vais même pas acheter de la paix. Je vais acheter ça et des bottes. Et une petite potion. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de mobilité. Coucou, j'ai suivi tes conseils. Ah, yes! Sur quel champion? Parce que là, on est que à B. On commence les B seulement, les gars, hein, en deux semaines. On l'a... Regardez, hop là, j'ai un petit Mips. Enfin, du coup, c'est un caillou blanc. Qui me permet de revenir très vite. En plus, j'ai mes bottes, donc c'est plutôt cool. Alors, mon petit Brack, que tu... est-ce que tu galères un peu, hein? C'est dur, hein? Mm-hmm. C'est dur, hein. Juste Senna, ouais. En fait, c'est dur, hein. Ah bah, d'accord. Donc elle, par contre, elle se... je sais pas le truc. T'as pas pris le heal, du coup, hit le zone. Alors, quand je jette un heal, il est aussi prolongé par le A. Hein. Bon, je m'en vais, hein, ça sert à rien. Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai plus de mana. Ok. Je vais prendre un... une lame de Hades. Là, hop, je prends l'heal. On va essayer de roam au mid. En plus, il s'est engagé, c'est parti, let's go. Non! Dommage. Ah, oh. Il va s'ulti au cas où. Ouais. Ah, même pas, bon, même pas. Allez, allez, bien joué, Zed. Bien joué. 16 bots. Yep. Alors là, faut qu'il fasse gaffe. Il a pris mon... C'est vrai qu'il aurait pu se sauver, hein. C'est, trop... c'est bizarre ce qu'il nous a fait là. Bah, en fait, il a voulu engage. Mais Z est là. Bah ouais, ouais, je sais pas, il était safe et il aurait pu partir. Tant pis pour lui. Fais le fou. On revient sur la lane. Toujours important de prendre de l'XP. Et vous avez vu, à chaque fois on a tout qui nous booste en vitesse de déplacement. C'est un petit bonheur. Petit bonheur. Petit bonheur. Donc là je nous mets un heal derrière, hein, si on se fait engager comme ça. Je voulais dire SS. Voilà, lève là. Donc là regarde, on voit qu'elle a une pink, voilà, elle a posé sa pink. Hein. Je te laisse push, on va leur mettre la pression et je vais aller retirer la pink. Hop, allez viens la protéger. Oh, je me casse hein. Hop là. Y'a Mundo. Allez viens, hein. Y'a pas de TP. Il m'a suivi. Ok. Coup de chair. Cher mon perso. Ouais ouais ouais. Et ce qui est chiant c'est que j'ai pas de ward en fait. Moi je peux pas warder le Drake là. On m'embête un peu. Ah bah tiens il veut le faire. Non. Laissez-moi tranquille. Bon du coup ils sont au Drake. Hein. Fais gaffe à toi hein. Ouais 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 mais j'aimerais juste mettre une ward en fait. Parce que là si je me monte tu peux me faire buter quoi. Mundo à Drake. Mais Graves! Mais il est sérieux le Drake? Il ne fait rien!
perd un drake bêtement, c'est dommage. En plus il met du temps à le faire hein. Ou alors il l'aurait vraiment abandonné. Il a peut-être abort mission. Bon je reviens. Oh tu l'as défoncé là. Ce qui est bien c'est qu'une fois que t'auras ton R, il y a n'importe qui va pas te résister en fait. Donc là hop un petit heal pour me booster, hop un petit truc pour revenir vite. Moi je suis pas trop mal en forme, ça va encore. T'es à combien? 65? Ouais ça va en vrai. Notre Z s'est fait buter. Mais il y a toujours le heal là, tu l'as même. Prends-le hein. Prends-le, c'est cadeau. Ah Mundo il vient vers le Drake hein. Donc vas-y push. On va donner la prio. Je l'aide au Drake. Hein. Allez! Je vais mille en brase. Ah, allez! Mais, putain, mais tu vas où lui là? Allez hop, je l'ai sauvé. Tiens, je te heal. Allez! Mais ils ont trop de heal ces gens! Allez, le carapateur! Non, il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé le carapateur, c'est dommage. Et prends-le hein, au cas où. En plus, regarde, hop là. Ok, j'ai mes wards. Il faut avoir, par contre. La mana. Hein. Ah, j'avoue, la mana, c'est un petit problème. Mais prends l'huile, mec. Mais prends l'huile. Voyons, il est pas fut-fut lui. Alors là, on va aller sur elle au bot ou pas? Non, tu veux pas aller sur elle? Non. Okay. Ah mais t'avais tellement de farm. Le chapitre. Ok. Bah prends-les. Mais c'est toi. Oh je l'ai raté. Shame on me. Oh il m'a énervé. Ah il m'a bardé. Non. Allez mets leur un fil barbelé devant pour pas qu'il passe pas. Fil barbelé. Barre à bim. Ah bah là là je peux les ultis hein. Ils vont être immobilisés, tu viens, tu prépares tes trucs mais ils vont partir. Je peux en faire des grosses auto-attaques là. Quel y a un Mundo. Ok. Je vais me prendre un heal, je vais essayer d'aller voir vers mid. En fait je vais aller mettre une ward à leur rouge. Je vais aller mettre une deep ward. Alors là la deep ward en fait c'est pour tout simplement voir un peu ce que fait le Mundo et peut-être essayer d'aller l'emmerder. Bon il n'y a pas son rouge. Donc déjà. Hop. Hop portail. Youhou je suis en pingouin. Hop je reviens prendre un peu d'XP quand même. Parce que bon mine de rien j'ai un niveau de moins. Bon après je suis pas mort encore. On n'est pas mort. Ah, on perd la lane mais au final ça va. Hein. Bah on la perd parce que c'est deux ADC, c'est agressif hein. C'est compliqué hein. Oh non là. Mais une fois que tu vas avoir bull air Oh sérieux ça a pas touché le Mundo? Le Mundo tu seul là? Oh tant pis, je vois pas du tout. Hop là, non. 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 Bon, Mundo a flash aussi. Alors, R, flash. Alors, mandat impérial, ça fait quoi le mandat impérial? Les compétences qui ralentissent ou immobilisent, ça tombe bien, j'ai un stun. Immobilise, alors, ça veut dire que je fais des dégâts supplémentaires et je les marque. Et une fois qu'ils sont marqués, alors quand on a notre Karma Ward, hein. On se serait-il pas pris le karma là, juste à dire, oh tiens, on n'est pas mort. Ah oui, c'est ouais. Mais je suis deck parce que le Mundo je l'ai ulti et en fait il a tellement pas de bot, je pensais qu'il serait arrivé plus vite pour qu'il soit stun et du coup il a rien pris. Alors let's go. Alors je peux même vous montrer un truc, j'ai les éternels. Les éternels je les ai eu. Moi j'aimerais bien un gank de Graves en fait parce que Graves, putain tu gank avec un bard, t'es heureux quoi. C'est les meilleurs ganks du monde. Je lui mets un portail pour aller derrière. Ah
Alors, les... let's go. Ok, elle a la pink. Du coup, je sais pas si elle a wardé. Je sais pas où elle a wardé. Donc, on va mettre une petite ward tranquillou. Ok, ouais, bah s'il vient, on le fait, hein. On le tue. Hein. Il faut tout. Ah, allez hop, on se casse, viens, viens, portail. Merde. Ok, ouais, tu veux. Hop là, nickel. Mundo bot. Mettre un heal derrière pour se préparer au cas où il y a le Mundo après qui veuille. Attention au dard de. Ouais, ouais. Caitlin, c'est comme ça qu'on est mort avant. Ok, elle a mis sa pink là, t'as vu. Je vais mettre là. Ok, y'a plus le Mundo. Ah, elle a utilisé un des wardeurs. Salut! Hop là, je suis stun ailleurs. Ça y est, on a Graves! Putain, enfin. Ok, tout ça pour ça. Bon. Viens là, là. 30 secondes, le drive. Il vient pas, putain. Il vient pas, Graves, putain. C'est chiant, hein. Très très chiant. Est-ce qu'on push pour back vite? Peut-être plus judicieux, hein. Ah, je suis touché. Ah, t'es touché. Ah bon. On va lui dire, hein, it's free gank bot. Cette push. I am barred. Bah non, mais c'est vrai quoi. Comment c'est dit, c'est drôle. I am barred. Mais non, mais tu sais, genre, je mets mon E quoi. Mon E, on est derrière eux, il a même pas besoin de flash. Même Z, hein, pardon. Pas bon, infernal, on vit. Lui, il était là. Allez. Donc là, on va aller au Drake, hein. Classique. Allez, les copains, venez. Venez, faites pas les bronzes. C'est... Je me demande, c'est quoi les lots de la game d'ailleurs. On a pas regardé. Platine le Graves, d'accord. C'est le joueur le plus nul de l'équipe. Très bien. Pas de ward. Et t'as poussé la ward. Ouais, tu peux jamais les mettre vraiment là où il y a le Drake, c'est chiant ça. Oh, 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 oh. Ok, il s'enfuit lui. Donc il y a toujours la pink. Ah, il fait le Drake. Il fait des trucs. Ça sert à rien de le tuer. Il a raté lui. Il a essayé de jump à travers. Allez zou. Alors ah mid. Qu'est-ce qui se passe au mid là? Là il va y avoir un truc là. Ah je l'ai pas touché. Oh allez, allez, let's go. Allez à la flash elle. Oh tout ce qu'on lui a mis. Allez elle meurt pas je pense. Ah je sais pas si elle. Ah si. Oh yeah. Ok, Sylas qui prend le farm au bot, attention. Oh je t'ai mis un ulti, laisse tomber quoi. Au bout du bout ça l'a touché. Ah non non, il était bien anticipé là en plus. Mais je suis content. Bah t'es content. Tu viens hein, t'as plein de farm au bot. Ah y'a Mundo là. Tu veux lui voler. Tu peux lui voler des trucs toi. On a une compo très chiante en vrai hein. Regarde-le lui. Coucou. Il veut vraiment nous tenter. Oh. En plus ils ratent leurs ultis. Attention hein, ça descend vers nous. Youhou. Oh là, t'as Irelia qui te veut hein. Est-ce que ça, on se retournerait pas dessus? Oui, ils sont tous. Rien, il y a Carapater. Ils sont tous là. Ils sont 4. Après Carapater tu... Ah ouais, faut défendre mid alors. Ouais, faut qu'on aille défendre le mid là. Allez 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 allez. Oh oh. Allez les boys. Ouais, toi t'es nul. 5 secondes, on n'a pas de tour. T'es prêt? Moi oh, je peux pas prendre le Carapater. Ah oh, putain.
Oh, ils ont sur-reine. Mais non, mais non, mais grave. Bon. Bon, au moins, je vous ai montré tous les tricks à savoir sur Bard. Ça aurait été vraiment bien d'avoir un petit gank de la part du Graves quand même. Oh là là, les gens qui sont... En gros, pour vous expliquer, tu te mets dans le coin au-dessus. Et bon, on va mettre Z, tiens. Tu te mets dans le petit coin au-dessus et tu mets un portail juste derrière les ennemis. Et du coup, bah s'ils font pas gaffe, t'arrives derrière eux. Enfin, c'est magique, quoi. Alors après, j'ai vu des gens qui jouaient... qui jouait beaucoup Bard AP, Fléau de Lich. Ne faites pas ça. Soyez un bon joueur. Soyez un bon support. Là, j'ai même pas eu le temps de faire les items. 18 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? J'ai eu quoi? J'ai eu B. Bah ouais, on a rien fait de la game. On a rien fait. Dégâts. J'ai plus de dégâts que Graves tellement il a fait que de farm. J'ai plus de dégâts que Sylas quand même et que Mundo. Ouais, bon là c'est un peu triste. Alors, Senna toxique. Ah oui, oui, je confirme, elle était toxique même pour nous. Du coup, c'est pas drôle, B. Enfin, alors, alors, juste pour montrer quand même les items. La preuve, même le mec qui est chez nous était très bien dans sa game, il a même pas pu avoir une bonne note parce que ça a pas duré ça. Ah ouais. Alors, champion. Champion, on va dire qu'on fait un 7 pour Bard. Si jamais il vous faut un 7 pour Bard, bien évidemment. Alors, non, pas mid. lane, voilà. Alors, en gros, attends, comment ils ont trié ça? Si je tape mythique, yeah, j'ai tous les mythiques. Voilà. Alors, si vous devez jouer un Bard support, moi je vous conseille tous les jours. Attends, je reconnais plus. Ah oui. Le mandat impérial. Le mandat impérial, à chaque fois que tu fais un stun, donc tu as un double stun. Je sais pas si ça marche avec l'ulti d'ailleurs, je sais pas si ça me laisse la marque. Bon, dans tous les cas, tu as aussi ton passif qui de temps en temps va faire ralentir. Tu feras plus de dégâts, tu vas donner un boost, enfin, les dégâts font exploser la marque, okay, etc. C'est très très bien. Ensuite, tu as aussi la pierre de lune. Vos attaques ou vos compétences tous des champions, tu rends des PV à l'allié proche. Chaque seconde passée dans un combat quand des champions augmente l'effet de soin. Cet objet aussi est très bien, mais vous permet de soigner. Il va vous donner quoi? 40. Ouais, c'est les mêmes stats. C'est les mêmes stats, c'est juste le passif. Après, il faut voir la propriété passive du mythique. Celui-là va te donner du cooldown. Et celui-ci va te donner de la puissance. Donc, à savoir, qu'est-ce que tu veux? Plus de puissance pour avoir plus de heal. Parce que clairement, Bard, ça va être que du heal. Ou un stun. Ou en vrai, du cooldown. Je pense qu'en vrai, je ferais même la pierre de lune pour le cooldown. Oh, un stun encore plus souvent, c'est juste infâme. Donc voilà, vraiment un des deux. Mais il était conseillé le mandat impérial, mais finalement, j'aurais dû même faire la pierre de lune. Surtout contre une compo qu'on avait là, qui agressif. Enfin, t'as du heal naturellement et tu re-heal derrière à chaque fois que tu fais des stats. En plus, ça te donne du cooldown, donc tu vas faire encore plus tes sorts et re-soigner tout le temps. Ouais, c'est juste monstrueux. Ensuite, donc les items à support. Si je tape support, est-ce qu'il me le trouve le jeu? Non. Alors c'est pas grave. Donc mana régène, parce que la plupart des outils, enfin des objets support sont à régène. Il y a la spatule, mais la spatule c'est que dans le mode du Nexus, hein, je vous le dis tout de suite. Et ils utilisent plusieurs talents, enfin plusieurs maîtrises sur ce perso. Bah runes. Ouais, tu en as plusieurs. Et, t'as le gardien. Avec gardien, il conseille l'Iron Solari. C'est vrai que tu peux faire l'Iron Solari, mais en fait, je trouve que l'Iron Solari est très situationnel. Ça va dépendre de ton équipe. Si t'as une équipe où tu veux protéger tes carries qui sont derrière et que tu vas rester derrière, oui, tu peux le faire. Parce qu'il y a un moment en teamfight, ton soin sera tellement minime que c'est aucun intérêt. Moi, ce que j'aime bien, en fait, par exemple, c'est faire Pierre de Lune. À ça, tu rajoutes un bâton des flots qui va te donner de la puissance, capacité de soin et bouclier. Chaque fois que tu lances un soin, cet allié et vous gagnez de la vitesse de déplacement et de la puissance. C'est trop bien, quoi. Bon, bien sûr, si t'as une team full AD, c'est triste, mais ça ne sert à rien. Tu peux faire l'encensoir ardent qui va donner de la vitesse d'attaque. Je pense que pour moi, c'est un peu nécessaire. Et ça se combatte très bien avec la pierre de lune. Parce qu'à chaque fois que tu fais des dégâts, tu soignes. En plus, t'as du soin. En gros, t'as un triple soin. Plus t'as ton gardien qui peut proc. Tu les mets souvent. Si tu veux plus de tankiness, pour la tankiness, c'est clairement le Zeke.
Chaque fois que tu stun, ton allié fera plus de dégâts. Enfin, c'est juste trop bien. Alors, il y en a qui vont faire la ronde d'option s'ils veulent encore plus de soins. Ça se tient. Ça se tient. Le Michael, bien évidemment, c'est. Le Michael, c'est si tu as trop de CC en face et que tu veux dé-CC ton allié, oui, il faut le faire. Et. Alors, c'est quoi comme autre item? Il y a un autre item qui est cool aussi, c'est. Ah, mais alors celui-ci, il est en tank. Et en plus, je crois qu'il est où? Il est en bas parce qu'il coûte pas cher. 2700. Masque abyssal. S'il y a beaucoup de dégâts magiques en face, immobiliser un champion lui fait subir 10% de dégâts en plus pendant 4 secondes. Tu stuns 2 personnes. Ils prennent 10% en plus par l'équipe. C'est violent quand même. Donc voilà. Et là, Iron Solary. Ah, bien sûr, après, il y a aussi les bots. En termes de bots, je pense qu'on est assez rapide. Donc on peut se permettre en vrai n'importe quel bot même. Les célérités si on veut être très rapide tout le temps. Cooldown si on veut toujours encore plus de cooldown. Mobilité si on veut vraiment se déplacer hors combat. Mais il y a un moment en teamfight ça ne sert plus à rien. Par contre péné magique, vitesse d'attaque, non, ne faites pas ça. Mercure si vraiment il y a beaucoup de CC de zone et que même en restant derrière vous les prenez. Et puis bah bien évidemment les coques en acier s'il y a beaucoup trop d'AD en face qui vont jouer sur les auto-attaques. Après il y a la plaque du mort aussi, remarque, qui peut être bien, je suis en train de me regarder ça. Plaque du mort qui te permet de te déplacer plus vite tout le temps. Plus tu vas te déplacer vite, plus ta prochaine attaque bout de sang va se charger à faire plus de dégâts, qui va ralentir. Je pense qu'elle est bien. Je pense que même en vrai ça... Force de la nature aussi. Force de la nature. Il joue assez tanky en fait. Il le joue assez tanky. Ouais. Il joue bot de célérité, cool. Mandat impérial, plaque du mort, force de la nature et la pierre qui permet d'avoir plusieurs. Ah, les wards là. Pierre de balise vigilante, ouais. Oui, ah. Oui, ça je pense qu'il y a un moment. Bon, c'est vrai qu'on l'utilise pas encore assez, mais bon, c'est un item qui est assez stylé en vrai. Ça donne énormément de réduction de sort là. Enfin, accélération de sort. Ah oui, 40 cooldown, ouais. C'est assez abusé. Donc voilà, c'était Bard. C'est dommage, on n'a pas pu trop vous montrer. Mais en gros, voilà, le principe c'est ça. Alors, si je vais juste montrer. Sauvegarder, non. Attends, ah, on est en groupe. Alors, attends. Ah, il y a Seiyaken. Ah, bon, bah, il y a Seiyaken. Je voulais montrer en gros comment passer. 2 minutes. Je vais quitter. Tu me réinvites après. Juste dans l'entraînement en fait. Pourquoi c'est trop cool. Enfin, moi je vous dis ça parce que. Je joue beaucoup de jungle aussi. Enfin, je joue beaucoup de jungle tout court en fait. Et quand il y a un bard, mais c'est juste un régal à gank la botlane. C'est. Alors, c'est sûr que c'est pas comme par exemple une Leona qui va aller. Ou une Morgana qui va immobiliser quelqu'un, t'as le temps d'arriver. Là, bard, c'est juste génial. Enfin, t'as tellement d'effets de surprise que tu peux faire. Si t'as un flash ou un dash avec ton champion et que tu veux t'en servir, et bah tu l'utilises après que Bard t'es déjà ramené en combat. C'est ça qui est trop cool. Faut être créatif avec ce perso, je pense. Ah oui, complètement. Alors, bah voilà, parfait. Par exemple, je suis là. Non, mince, attendez, je vous passe en game. Voilà, on est où? C'est quoi la touche pour se téléporter? Mince. Téléportation, Inculse. Bah si. Ah, Shift S à chaque fois, je fais C. Bon, on s'en fout des items. En gros, voilà, je suis là. On va dire qu'on est de ce côté-là. Vous êtes sous tour ou à peu près, voilà, les ennemis ils sont ici, on va dire. Le jungler il vient. Vous lui dites de se mettre là. Vous mettez un mur. Bon, là je l'ai peut-être mal mis, mais attendez, hop. Voilà. En vrai, le mur, on peut même le mettre comme ça. Et en un coup, bam, derrière eux. Alors bien sûr, ça marche aussi. Attends, je vais désactiver les tourelles. Voilà. J'ai la flemme de me TP de faire click drop pour me déplacer. Pareil, vous êtes du côté rouge. Vous êtes push. Vous êtes push par les ennemis qui sont ici. Avec votre jungler. Hop là, vous le ramenez derrière en une seconde. Vous avez votre A. Boum, vous les stunnez. Un régal. Je vous le dis, c'est vraiment un régal. Oui, je veux quitter. Oui, je veux quitter, s'il vous plaît. Donc voilà. Comme l'a dit Braque, il faut être créatif. C'est vraiment. Vraiment, il faut s'amuser avec Bard. Et. Tu peux le jouer à la fois en soigneur, en vraiment full soigneur. Tu mets des shields à tout le monde, tu mets des soins à tout le monde. Ou alors,
bah tu joues full tank, tu mets des CC à tir l'arigo, c'est un vrai plaisir. Voilà les copains, j'espère que la petite vidéo, certes courte, vous aura plu sur cette game. Mais bon, on a le droit de l'estompe un peu de temps en temps. Hein. C'était allez. Pas encore trop de. Ah, vous avez été exclu du groupe. Ah bah d'accord, bah merci, salut. What? Bah merci. Mais en gros, voilà, je vous le dis, si vous l'avez même en ARAM, vous pouvez le jouer full AP avec un petit flow de leash, c'est rigolo. Mais bon, c'est vrai que c'est ça va dépendre de l'équipe. Il y a une méga engage. Et vous mettez votre ulti Zhonya sur vous, c'est un régal. On continue dans le régal. C'est la régalade, voilà, c'est la régalade. Voilà, c'est, tu c'est... joues plus ADC du coup je... Bah c'était toi l'ADC. Sup. Ah si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Et de toute façon, demain, Blitzcrank. Blitzcrank c'est très drôle. Bran, Brom. En plus, ça sera Noël entre Bran et Brom. Brom, Brom. Donc voilà. Allez, à demain. Ciao. Salut.